Les vacances de Pâques dans un château du sud de l'Angleterre et la langue de Shakespeare au programme. Hello, my name is Alexia, I come from Lyon. Hello, my name is Maëlle, I come from Brittany. You have to walk down there. Ces collégiens français vont passer ici 7 jours à écouter, parler et même penser en anglais, si possible. 700 euros la semaine, c'est le prix moyen pour ce type de séjour. Les parents paient dans l'espoir de voir leurs enfants progresser. One portion of pasta. Ici, on travaille en jouant, tout ça. C'est plus simple parce qu'on n'a pas les leçons, on gratte pas toute la journée. C'est plus oral que grammaire. Découverte quand même de quelques auteurs classiques britanniques dans la bibliothèque de l'école. Have you heard of Charles Dickens? Une formule intensive qui ne coûte finalement pas tellement plus cher qu'un séjour en famille d'accueil. Ils n'étudient pas seulement la grammaire et le vocabulaire, ils les mettent en pratique. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont pris confiance pour parler la langue. Un de séjours à Londres et passage obligé sur le marché aux souvenirs de Covent Garden. It's a beautiful city, but it's not great today because it's raining. La motivation reste bien entendu la clé d'un séjour linguistique réussi, ce qui n'empêche tout de même pas de se détendre de temps en temps, mais en anglais, évidemment.